Je me demandais s'il n'y en avait pas par hasard une solution de coupure tronçon comme ça existe en grande culture, mais du coup sur les machines à vendanger. Alors oui, effectivement, chez Brouhaha, on propose aussi une solution pour gérer automatiquement la coupure de section, donc sur nos machines de l'année 2021. Okay. Donc pour cela, tout ce que tu auras à faire, c'est de bien définir les limites de tes parcelles avant d'appliquer. Donc comme ça, tu es sûr de ne pas pulvériser au-delà de tes piquets de tête et donc de mettre le produit uniquement là où cela est nécessaire. Et c'est quelque chose qui, parce que comme c'est dérivé de la grande culture, est-ce que ça va être adaptable dans les vignes? Est-ce que ça va marcher dans les parcelles en pointe, par exemple? Alors oui, effectivement, ça marchera très bien dans les pointes de tes parcelles. Là aussi encore, si tes limites ont bien été définies, il n'y a aucun souci pour l'utiliser dans les pointes de parcelles. Ok. Et donc tu me parles de définir les lignes, mais ça du coup, comment on le fait? Comment on va délimiter notre parcelle? Alors tu es bien de le demander. Pour cela, il est nécessaire de faire un arpentage de précision en dehors de 2 cm, celle que je conseille à ton client. C'est qu'il contacte directement son concessionnaire New Holland pour qu'il réalise lui-même l'arpentage de précision. Ok. Et après, en termes de précision, c'est quoi? C'est de l'ordre de quelques centimètres? Alors oui, donc ça va être une précision de l'ordre du RTK, de 2 cm. Okay. Donc là, nous, ce que nous proposons comme solution chez New Holland, c'est d'utiliser une antenne GPS NH372. Okay. Et de prendre en plus un abonnement N-Trip. Donc l'abonnement N-Trip, c'est en fait un abonnement qui va te permettre d'apporter des corrections sur ton signal GPS pour avoir donc une précision de 2 cm. La seule condition pour avoir cet abonnement N-Trip et le recevoir, c'est d'avoir l'option télématique sur ta machine. D'accord. Donc quand on parle de télématique, j'en profite d'ailleurs pour te rappeler à toi et à ton client que toutes nos machines N, donc 9070N et 9080N, sont vendues pour les 2021 avec l'option télématique de base et un an d'abonnement au service télématique. D'accord. Et après, pour ce qui concerne l'arpentage, comme la vigne, c'est une plante pérenne, est-ce que c'est quelque chose qu'il va falloir refaire régulièrement ou est-ce que ça reste enregistré quelque part? Alors non, tu n'auras pas besoin de le refaire à chaque fois, ton arpentage reste en mémoire. Donc comme tu soulignais, la vigne est une plante pérenne, donc le positionnement étant perpétuel, la cartographie sera faite pour toute la durée de vie de la vigne. Ok. Et après, admettons que j'ai fini ma journée de travail, si je veux récupérer toutes mes données liées à mon GPS, est-ce que c'est possible? Alors oui, c'est tout à fait possible. Tu pourras récupérer tes données pour les analyser ensuite sur un ordinateur, par exemple. Donc pour cela, il faudra bien penser à mettre une clé USB sur ton écran IntelliView. Okay. Pour pouvoir ensuite exporter tes données sur, par exemple, PLM Mapping.